Salut, bonjour, bienvenue dans ce nouvelle vidéo YouTube. Bon, update pour regarder comment ma peau a changé. Là, j'ai juste un bouton. Là, on va se laver et ensuite, bah, on va se coiffer, faire notre vie, etc. Bon, écoutez, il est l'heure pour moi d'aller faire les courses. Donc, dans cette journée, il y avait des choses bien, mais il y avait des choses aussi très nulles. Comme aller faire les courses. Mettre ce haut-là et en bas en jean, quoi. Hop là. Ça n'est pas fait. Maintenant, on y va. J'en ai marre, hein, j'ai la flemme. Mais bon, y a pas le choix. C'est le Adèle du montage. Bien évidemment, je n'ai jamais filmé quand j'étais dehors parce que j'étais très très de mauvaise humeur ce jour-là. C'était hier et je suis encore de mauvaise humeur. Y a un problème? Je suis énervé, je suis énervé. Je suis revenu chez Monoprix. 45 euros le panier, s'il te plaît, pour de l'eau de Javel, du produit pour le calcaire. Bon, j'avoue, il y avait ça. C'est un nouveau. Un nouveau truc mixa. Et pour être utilisé seul ou con. Mais j'allais vous dire quoi, ça me saoule parce que ça coûte super cher Monoprix. J'ai payé 45 euros de course. Alors que si j'avais été à Leclerc, ça aurait fait, je sais pas. Perchez là et puis allez lui dire de fermer son cul. Je vous en supplie, tout simplement, elle seulement, là, allez lui dire de fermer son bec. Ma caméra, elle a des bugs de ouf. Genre, t'es là, j'étais en train de me filmer, c'est éteint. J'allais vous dire quoi? Vous avez vu la nouvelle DA que je suis en train de prendre? Là, j'aime bien. Bon, attendez. Si je louche, c'est normal. C'est parce que j'ai pas mes lunettes déjà. Bon, ça se voit. Mais au-delà de ça, c'est parce que je suis en train de tourner une vidéo TikTok. Vous êtes dans mon moment influenceur. J'étais en train de tester le. Bon, bah, en tout cas, ils ont dit qu'avec l'air, elle pouvait devenir jaune, mais que ça allait pas, genre, impacter le truc. Mais même là, elle commence un peu à devenir jaune. Je vais juste chercher une tenue que je pourrais faire pour cet après-midi. Comme ça, au moins, je vais tourner ma vidéo outfit du jour. Ça va, vous? Ouais, bah, je suis en train de faire un TikTok. My God, depuis, j'ai fait le TikTok. Vous m'avez vu partir. Bah, je suis resté dans ma chambre. Et il va falloir aussi surtout que je poste l'histoire des Bettencourt. Par rapport à l'histoire des Bettencourt, je vais la poster en normal. Je vais pas mettre la version auditive aujourd'hui. Parce que j'ai pas le temps en fait. C'est pas que j'ai pas le temps, j'ai le temps. Le truc c'est qu'il faut que je fasse du montage et tout. Et j'ai la flemme là. Totale et angoissante. J'aurais dû le poster ce matin, putain je suis bête. Ou alors je me dis. J'attends jeudi. Mais si j'attends jeudi, ça veut dire qu'il faut que je leur donne la version audio. Je peux pas venir jeudi et dire ah c'est bon, je poste demain. Parce que là, il est 4 heures. J'aime bien poster le matin et tout, genre. Demain matin à 10 h, je me réveille et je poste. Hier, donc en fait, les gens sont tellement fous à un stade, je m'en remettrai sûrement jamais. Je vous jure, là, j'ai reçu un message, mais il est tellement fou. C'est trop un malade. Je peux vous spoil la prochaine écriture. Là, l'histoire 2, cette fois-ci, c'était Aya. Enfin, la fois d'avant, c'était Aya. Là, c'est la famille Bettencourt. La prochaine fois, ce sera Eugénie Trochu. C'est celle qui est à la tête du contenu éditorial de chez Vogue France. Et je voulais un peu parler d'elle pour parler un peu de mode, etc. Parce que, bon, pour Aya, on a parlé de musique. Là, on parle un peu politique avec les Bettencourt parce qu'il y a eu des trucs, etc. Avec la politique, donc c'était beaucoup de politique. Et j'ai envie de parler de mode. Et la fois d'après, ça sera du cinéma. C'est trop bien parce qu'on mélange tous les univers et j'aime trop. Parce que tu sais, sur Insta, tu peux cacher quand quelqu'un il ouvre les messages. Bon. On va cuisiner ensemble parce que j'ai faim. Depuis ce midi, j'ai rien mangé. Même ce midi, j'ai mangé des chips, frère. Mes cheveux, seigneur, wesh. Ce soir, au programme, on a. Des frites de patates douces, mais il n'y en aura pas assez parce que il n'y a pas assez en fait. Et la patate en haut, et tu pars d'en haut et tu descends, et tu pars d'en haut et tu descends.
Je pense que j'ai envie de commander une pizza quand même pour aller avec. Bettencourt, ouais, ça m'a matrixé, elle, ça y est. L'autre là, Mercotte, elle est son père face à moi. Je suis sûr que je cuisine mieux que Mercotte. C'est faux. Deuxième, tu coupes les bouts. Et tu les revois dans 40 minutes. Mais qui autorise cette putain de caméra à s'éteindre? Va falloir me dire, me dites pas que ça filme plus depuis tout à l'heure parce que je vais me tuer. Quand il est 21h, je voulais commander une pizza mais flemme, c'est bon, ça me saoule. T'es cuit ou pas? Et elles sont en train de faire peur. Ouais. Bon, J'en ai marre. J'en ai marre, frère, mais c'est pas des frites de patates douces, ça. C'est quoi, ça? Elle, c'est ma reine, elle. Je l'aime de tout mon cœur, elle et sa sœur. Bon, les gars, là, du coup, il est 1h du matin. Ouais, il est 00h59. Et je suis en train de faire le montage de ma vidéo sur les Bettencourt. Je vais vous allumer vite fait la lumière pour vous parler. Oh là. Du coup, oui, je vous disais, je suis en train de faire le montage sur ma vidéo des Bettencourt. Donc, vous allez venir avec moi. On va rester ensemble toute la nuit parce que là, je dois faire le truc sur les Bettencourt. Finir le montage en fait, l'exporter sur ma chaîne YouTube. Ouais, j'ai mis le t-shirt à l'envers. L'exporter sur ma chaîne YouTube et le mettre en non répertorié, le mettre sur le blog et préparer la com pour demain. En gros, cette nuit, ça va être de la création de contenu. Et voilà. Il se marie, tonton à L'Oréal, avec 5 ans. Jeanne se mobilise, il laisse donc L'Oréal à sa femme qui va tout gérer pendant son absence. Jeanne, son père, ne pensait même pas à lui léguer L'Oréal. 36, il invente la crème solaire. Yes, regardez, il est quelle heure? Il est 3h moins 30 et j'ai fini. C'est pas un problème financier. Et je suis toujours devant le live de Ranel. Là, je vais faire le montage TikTok, me laver et aller dormir. Je viens de sortir de la douche, il est 2h43. Est-ce qu'il y a encore sa sœur en live? Parce que s'il y a encore sa sœur dans la salle de bain, on va regarder sa sœur. On va faire ma skincare night ensemble. Les seuls trucs que j'ai à mettre, c'est la crème Cutacnil. Je suis désolé. Alors faites pas comme moi. Hein. Faites vraiment pas comme moi. Si vous utilisez cette crème, ne l'appliquez surtout pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut l'appliquer. Mais moi, je le fais comme ça parce que je m'en fous et j'ai envie que mes boutons partent. Regardez, ça, c'est trop bien par contre. Ça, regardez, il y a des traces partout. Là, là, là. À l'international. Cette... Mais nous, on n'a pas dit qu'on allait faire un mariage au-delà des moyens de monsieur. Ok, il y a une bonne chose qui est faite, c'est que c'est presque en ligne. Là, je vais sur TikTok pour préparer la vidéo promotion pour demain. Mais on va l'air que pour un putain de mec. Mais au nom de Dieu, je suis trop fier de moi. Et donnera naissance à deux garçons, Jean-Victor Meyers en 1986 et Nicolas Meyers en 1988. Liliane décédera en septembre 2017. Les relations familiales chez les Bettencourt. Dans la famille Bettencourt, les relations familiales, ce ne sont pas leurs points forts. De ce qu'on connaît, Eugène Schweller... Et ça, c'est une putain de ref. J'ai mis une musique de Bach et c'est les musiques préférées de Françoise Bettencourt. Regardez le rendu final au final. En septembre 2017.
Les relations familiales chez les Bettencourt. Dans la famille Bettencourt, les relations familiales, ce ne sont pas leur point fort. Que ça soit pastel, la page, qu'elle soit pastel, et que toujours les couleurs, elles ressortent bien. Regardez, avec Aya, ça ressort trop bien. Et avec Liliane Bettencourt, ça ressort trop bien. Je vais aller regarder le live là-bas maintenant. Ok ? Je vais me poser, regarder le live là-bas. Écoutez, je pense qu'en vrai de vrai, je ne vais pas plus avancer que ça. Je vous ai beaucoup mis au travail aujourd'hui. J'ai pas été très divertissant et je m'en excuse. Mais écoutez, moi, je suis pas la reine des... Ok ? Donc écoutez-moi bien, maintenant moi je vais arrêter de divertir les gens. Moi je suis là pour faire mon bif et pour faire mon truc, c'est pas vrai, je suis même pas payé à faire ça. Ça là, j'ai pas été payé. Ce que j'ai fait là, c'était par passion uniquement. Et quand le travail il est fait par passion, regarde comment tu peux être fier de toi. On s'attrape la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Là je vais reprendre YouTube après un mois, ça va être très très dur. Ah là 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 là. Bon allez, bisous mes stars, j'espère que cet épisode de la vie d'Adèle vous a plu. À bientôt.